finalement, bah, méga déception, le cast member a refusé de me filmer en fait. J'ai pas trop compris pourquoi. Il m'a dit qu'il refusait de filmer l'échange avec Mickey. Je suis super déçue. En tout cas, sachez que ça s'est très bien passé. Mickey m'a proposé de tourner avec lui. Il m'a remercié de venir le voir. Et du coup, on a fait quelques photos ensemble. Mais super triste de pas avoir de finir filmé. Surtout que bah, c'était le cas il y a 2 ans, donc je comprends pas trop. Mais enfin, tant pis. J'adore la Royal Friendship Fair, franchement c'est ma grosse découverte de cette année, de ce séjour. J'adore ce spectacle, je le trouve magnifique et je pense que demain je vais tout faire pour être à l'heure et le voir remonter, parce que là du coup j'ai juste vu la dernière chanson que j'ai immortalisée pour vous, mais j'adore ce spectacle. Vraiment le fait d'avoir des chansons un peu originales, la tenue de Tiana, la chanson de réponse, enfin je suis absolument fan. Écureuil, il est trop mignon. On est donc à Liberty Square et j'ai un fast pass pour faire Haunted Mansion, mais j'aimerais bien voir également les Muppets si j'y arrive. Bon bah en fait les Muppets apparaissent sur les fenêtres qui sont juste devant moi dans 5 minutes. Alors écoutez, je suis en place et je vais voir ce que ça donne. J'espère que ce sera cool. Here, here, I am James Jefferson, the town crier of Liberty Square. Ah, Ben Franklin here. A penny saved is a penny earned. And if at first you don't succeed, then skydiving is definitely not the sport for you. Goodbye. All the great moments in history, we said King George goodbye. And here we'll take away in all your minds and hearts. Great moments in history. Great moments in history. Great moments in history. Très mignon ce petit spectacle hein. Au départ ça a pas attiré beaucoup de monde et au final vu que ça prend sur toute la rue. Hello. Hi. Décidément les Américains adorent faire ça dans les vlogs hein. Oui, donc je disais, vu qu'en fait le spectacle donne sur la rue, enfin il est vraiment visible, du coup les gens se ramènent au fur et à mesure et c'est très mignon, c'est très interactif en fait, enfin c'est très bien fait pour mieux comprendre l'histoire de l'indépendance américaine, surtout avec l'humour des Muppets, enfin moi j'ai beaucoup aimé et bon c'est vrai que j'adore les Muppets déjà de base, mais c'était très mignon et très drôle. Regardez-moi ce merchandising de malade mental les gars. Bon alors je dois vous faire une confidence, j'ai craqué sur quelque chose de cette boutique, mais je vous montrerai ça dans ma vidéo haul que je sais que vous attendez avec impatience. C'est pareil, regardez-moi les vêtements et tout, enfin on sent vraiment que les fans adultes ont de leur propre merchandising ici. Je suis jalouse. Je veux pareil chez nous. Alors c'était pas du tout prévu, mais je viens d'aller dans la boutique Memento Mori et d'acheter un souvenir. Voilà voilà. Comme si la valise n'était pas déjà assez pleine. Et maintenant, je pars faire mon fast-pass pour Haunted Mansion. Only ghost stories, of course. And my.
busts. Arrangements may be made at the end of the tour. Donc là on est à la sortie de l'attraction et comme vous allez le voir sur le côté il y a un cimetière d'animaux qui est très réputé. Il est juste ici. Et en fait le truc qui est drôle, alors, attendez je vous zoome ça. Le truc qui est drôle c'est que tout au fond vous avez Toad de l'attraction Toad City Hall. Qui a fermé ses portes pour remplacer Winnie the Pooh et qui est donc dans le cimetière avec les autres animaux. Je trouve que c'est un clin d'œil assez rigolo. Un peu funeste, mais rigolo. Vous voyez, on le voit juste là. Bon bah, Haunted Mansion, c'est terminé. J'ai essayé de vous filmer un maximum de choses de l'attraction. Je sais pas trop comment ça va rendre, mais j'espère que ça va aller. Et là, du coup, comme je vous avais promis, on va vérifier l'easter egg donné par l'imaginaire avec lequel j'ai mangé ce midi, qui me disait que dans la zone de réponse au sol, il y a l'emblème de Maximus parmi les traces de pas de chevaux. Donc on va regarder ça. Donc là, on est pile dans l'aire de réponse. En plus, donc ça tombe bien. En fait, c'est assez facilement trouvable, regardez. Il est marqué Maximus. C'est sur différents pavés. Bah, décidément, j'aurais pensé que ce serait plus difficile que ça à trouver, comme vous le voyez. Il y en a quand même pas mal qui l'ont. Parce qu'on ne s'en lasse pas, je vous refais un plan ou deux de ces magnifiques toilettes. Hein. À présent, je vais faire filard magique. Je ne l'ai faite qu'une fois pendant mon premier séjour. Je ne l'ai pas encore fait pendant mon séjour de 2018. Donc allons-y, let's go, réparer ça. En plus, il n'y a pas beaucoup d'attente normalement, donc tout bénef. Comme vous pouvez le constater, c'est pas une attraction que je vais filmer vu qu'elle est en 3D et que vous allez rien y voir. Donc à tout de suite, la vie termine. Dining room proudly presents your dinner. Mais si vous êtes fan des années 90, c'est clairement l'attraction qu'il vous faut parce que il y a la petite sirène, il y a Aladdin, il y a le roi lion, enfin toutes les chansons de notre enfance sont dedans, donc ça c'est plutôt cool. Après l'histoire est pas ouf, c'est Donald qui a perdu le chapeau Fantasia de Mickey qui après plonge dans les différents mondes. C'est mignon mais sans plus, donc du coup ça justifie le fait qu'il n'y ait jamais que cette attraction. Mais je suis quand même contente de l'avoir faite. Et là maintenant je vais à New Fantasyland puisque j'ai vu qu'il n'y avait que 5 minutes d'attente. J'ai vu qu'il n'y avait que 5 minutes d'attente pour l'attraction de la petite sirène, qui est une attraction que j'adore et que je vous avais montré dans le tout premier vlog. Donc on y va. Je voulais en profiter pour vous partager également l'autre easter egg révélé par le membre d'Imagineering pendant le repas.
dans l'attraction Under the Sea, il y a une arche. Et en fait, le 18 novembre, chaque année à midi, la Terre est dans une position exacte. Et avec le soleil, si vous regardez l'attraction, ça fait un Hidden Mickey. Ça fait beaucoup de contraste. Mais si jamais vous êtes un jour à Walt Disney World ce jour-là, notez-le. Parce que ça doit quand même être un easter egg de fou à voir. Si c'est pas beau ça, hein. Pas fait Dumbo, va faire Dumbo, hein. C'est parti pour faire Dumbo. Alors cette boutique, c'est le mal, c'est la première où j'ai dépensé mes sous à Walt Disney World pour mon séjour de cette année, puisque j'ai dépensé presque 100$ ici. Je n'y retournerai pas, non, 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 dit-elle en rentrant dans la boutique. Genre les gars, c'est un truc de ouf, comment j'ai aucune volonté. C'est impressionnant quand même, hein. Mais regardez-moi comme c'est joli. C'est vraiment ambiance cirque. Ça va. Parfait. Une jolie tonne et demie de sucre coutard. Vous en avez marre de me voir acheter? Moi aussi. Mais regardez-moi cette beauté, j'étais obligée de craquer. Elle est juste beaucoup trop jolie. Coucou Dumbo. Ou devrais-je dire double Dumbo. C'est bien, je vais pouvoir vous montrer l'aire de jeu qui se trouve à l'intérieur de la queue. C'est parti, Dumbo. Cette fois-ci, je vous emmène sur une partie de Walt Disney World que je n'ai pas encore faite. C'est toute la partie Frontierland / Adventureland. Parce que je veux aller faire Jungle Cruise. Il n'y a que 30 minutes d'attente. Alors que c'est une attraction qui est vraiment très très populaire aux US. Donc j'ai hâte de la faire et de la découvrir. Et bon, c'est pas la première fois que je la fais, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas eu l'occasion. Donc here we go. Avec le soleil qui se couche, c'est juste magnifique. Ça, c'est l'attraction dont j'ai toujours pas compris le concept, avec les espèces d'ours qui chantent, qui me fait penser un peu à Dingo et Max. Je vous avoue que j'ai pas prévu de la faire, mais peut-être demain. Au moins la faire une fois avant de repartir de Walt Disney World. Jungle Cruise de nuit, c'était franchement pas mal. On est tombé sur une cast member qui était super 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 marrante, qui a mis tout de suite l'ambiance. Franchement, j'ai adoré.
adoré ce moment. Je me suis bien éclatée, j'ai compris une grande majorité des blagues. Et il y avait tout un passage dont je ne me souvenais pas du tout, c'était le passage avec la grotte. Donc grande surprise, j'ai beaucoup apprécié également et je suis très contente du coup de l'avoir fait de nuit. Et là je me suis posée pour le show nocturne et ensuite les feux d'artifice que je n'ai jamais vu puisque c'est un spectacle qu'il n'y avait pas en 2016. Et j'ai hâte de voir ça.